Om Shanti, bienvenue à tous. Quelles sont les valeurs de la vie? C'est une émission spéciale. Et le sujet, c'est la signification de Mahashivratri, la symbolique de Mahashivratri. Nous allons d'abord prendre une minute de silence. Et que ce que l'on fait aujourd'hui, ce sera unique. Alors, nous ferons jouer la... On fera jouer une chanson en hindi, mais avec des sous-titres en anglais pour... qui nous parle de Mahashivratri. Et Santosh Didi, qui est notre invité d'aujourd'hui, nous parlera de la signification aussi des différents symboles de Mahashivratri. Alors, voici la chanson. Shiva est le libérateur. Celui que nous nous rappelons, c'est Shiva dans notre esprit paisible. Il ne nous trahit jamais par des mayas, des attachements. Shanti, 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 Om Shanti. C'est une grande fortune. Merci au Père. Les paroles de Shiva. La véritable essence nous est révélée à travers ces paroles divines et nous, les humains, nous écoutons, les humains, et nous devenons
d'humeur en déité. Shanti, Shanti, Shanti. La connaissance sort de la bouche de Brahma et c'est Shiva qui nous est révélé. L'amour pur du Père est notre véritable nourriture sacrée pour nous. Il n'y avait personne avant Shiva, il n'y aura personne après Shiva. Om Shanti, merci à vous tous. Merci aux valeurs pour la vie. Est à Gyan Sarovar. On la connaît, mais il y aura quelques mots pour la présenter dans son introduction. Quand nous avons vu, elle sert toute la région de la Russie. Elle est coordonnateur régional. Alors, les Balkans et la Russie, elle est aussi à Saint-Pétersbourg, le centre des Brahma Kumaris à Saint-Pétersbourg. C'est elle qui est coordonnatrice. Elle est née à Delhi. Elle a gradué de l'Université de Delhi en 1988. Elle a un diplôme en zoologie. Quand elle faisait son premier niveau, elle a fait aussi un diplôme en russe. Donc, c'était son rôle. Elle avait déjà un diplôme en Russie, donc elle parlait déjà le russe. Quand elle a quitté, elle a été invitée par l'Académie de Russie. Et vous avez certainement vu beaucoup les danses russes. Il y a beaucoup de culture dans la musique, dans la danse. Et elle a créé un groupe, La Lumière Divine. Elle a travaillé beaucoup au service de l'humanité. Et j'ai rencontré Santosh depuis le début. Elle a toujours accepté quand nous l'avons toujours invitée. Quelques mots pour elle. Santosh Didi est une incarnation de la patience et de la persévérance. Sa sagesse spirituelle déborde de perles d'exubérance. La puissance du yoga émane d'elle comme des bulles effervescentes qui fait que l'âme rajeunit. Aujourd'hui, elle nous dira comment Shiva est un avatar de la bienveillance, toujours pur, toujours aimant comme un enfant plein d'innocence. Dans notre vie quotidienne, laissons l'être suprême présent, devenir présent, pour que les vertus embaument notre vie comme un parfum. Les faiblesses de notre vie nous quitteront parce qu'on aura invoqué une image magnifique de Shiva Baba. Voici Claudia maintenant qui va officiellement accueillir Santosh Didi. Om Shanti Didi. C'est très bien de le te voir. Même si je ne pouvais pas te voir en présence, je peux te voir en Zoom. Nous nous rencontrons encore. C'est un grand honneur de venir nous parler de Maharishi Ratri. Il y avait... Qu'est-ce que Shivratri? J'ai réalisé. Je ne savais pas ce que c'était, mais il y avait des Indiens aussi qui ne savaient pas non plus. Alors, je suis contente de vous entendre. Donc,
On veut vraiment savoir ce que Mahashivratri veut dire, donc on t'offre quelques fleurs. Elle les prend, elle les accueille. Quel printemps s'en vient. Ici, aujourd'hui, nous avons de la neige ici à Vancouver, mais nous sommes très contents de t'accueillir. Nous t'offrons ces fleurs et nous sommes contents de t'accueillir. Merci, Claudia. Merci de m'inviter et de me donner l'occasion d'être avec vous. Manoj aussi, merci beaucoup. Et patiemment, et quand il le maintient, ce genre de soutien, de programme. Et je vois aussi tous les membres. Ce beau festival, magnifique. Non seulement beau, mais aussi un festival historique. Mahashivratri contient trois mots dans Mahashivratri. Et comme vous avez dit, Claudia, c'est pas non seulement ceux qui, comme des étrangers, mais ceux qui ont quitté pendant un certain temps, qui ont quitté pour l'Inde. Parfois, eux-mêmes ne savent pas de quoi il s'agit ou ont oublié la véritable signification de ce festival. Bien sûr, à chaque année, en février, on marque l'anniversaire et on a certains rituels, mais ce festival change aussi, changer notre vie, changer les conditions sociales, dans quelle direction le monde doit aller. Donc, c'est un festival qui a un message caché qui convient à l'humanité. Moi-même, avoir une attitude de... Il y a un ou trois festivals. Je savais qu'il y en avait un en février. Les gens buvaient. Il y avait des... Pas tous. Alors, il y avait des danses aussi, mais pas tous savent ce que veulent dire toutes ces danses. Et après, j'ai eu l'occasion de savoir quatre choses au sujet qui m'a permis de réaliser la grandeur de ce festival. Mais avant cela, je me disais simplement, c'est un festival comme un autre pour les Indiens, parce que les Indiens, et qu'ils ont certains rituels, donc un rituel indien. Mais la première chose que j'ai, c'est ce que j'ai réalisé après, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est quand j'ai compris la connaissance de Brahma Kumari, que j'ai compris ce festival correctement. Mahashivratri, il y a trois mots dedans. Maha, ça veut dire grandeur. Shiv, ça veut dire c'est le bienveillant, le très aimant, bonté, compassion et bienveillant. Et Ratri veut dire nuit. Mahashivratri veut dire grande nuit de Shiva. En fait, c'est un mémorial de la venue de l'incarnation de Shiva. Donc, si je ne sais pas qui est Shiva, comment puis-je comprendre de quoi il s'agit quand on parle de Mahashivratri? D'abord, on doit d'abord connaître qui est Shiva. Et si on commence à poser la question, qui est Shiva? Une image vient d'un corps, c'est l'image corporelle de Shankar, bien sûr. Parfois, d'abord on va voir peut-être le Shivalingam. Alors ce sera cette pierre ovale qui sont dans les temples. Et il y aura
le Shankar, qui sera la déité corporelle, qui sera assise, qui sera Shankar, qui sera devant. Et en mélangeant ces deux personnalités, la confusion vient de mêler, de mélanger ces deux personnalités. Et ça ne nous permet pas d'avoir la réalisation que Shiva est le créateur avec un grand C. Si on parle du créateur, tout le reste, tout ce que l'on voit dans la forme corporelle, c'est la création. Alors, avec qui voulons-nous une rencontre? Avec la source, le créateur, ou les autres, deuxième, troisième ou quatrième? Donc, dans le drama, dans n'importe quel drama, dans n'importe quelle expérience, pourquoi le directeur est le seul dans une pièce de théâtre qui va pouvoir nous dire pourquoi cette histoire dans une pièce de théâtre, pourquoi cela se passe comme ça? Donc, Shiva, le sens de Shiva est l'idée de bienveillant, mais il y a d'autres significations qui sont le point ou encore la graine. Alors, autrefois, quand on fermait les comptes d'affaires, on mettait un point et on disait Shiv, c'est le point final quand on fermait nos affaires. Donc, on se rappelle comme une graine bienveillant et la lumière. Donc, il ne peut pas être, Shiv ne peut pas être dans ce monde. Dans ce monde, nous sommes dans un corps. Donc, c'est le monde des êtres humains, c'est le monde physique. Mais Shiv n'est pas un être physique. Donc, l'image de Shiva en tant que Shivalingam ou le souvenir, le mémorial, c'est le point où la graine parle d'elle-même. Que dans le monde humain, il y a un rôle, une entité qui est au-delà de ce monde. Que nous nous souvenions avant comme étant une âme, seulement quand il fait. On ne pense pas quand on a des problèmes seulement, on dit « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Alors, celui qui est au-delà, celui qui est l'autorité toute-puissante, parce que notre cœur intuitivement nous dit « Il peut tout régler ». Et en connaissant celui-là, c'est la priorité de le connaître. Quand je dis, quand je veux célébrer Mahashivratri, parce que si on veut vraiment célébrer la fête, l'anniversaire de quelqu'un, on ne peut pas le faire de façon superficielle. Je ne le connais pas, c'est son anniversaire, mais je pense que je vais acheter quelques cadeaux et que je vais aller le féliciter. Lui souhaiter un bon anniversaire. Ce n'est pas la façon de faire. La première chose, j'ai compris pour moi-même, quand je suis allée dans la profondeur de la connaissance qui était donnée par les Brahma Kumaris, que je devais connaître Shiva. Et en connaissant la source, en connaissant Shiva et connaissant la graine et sachant le temps dont on se rappelle dans ce festival comme étant Ratri, c'est-à-dire la nuit. Alors, quelqu'un qui naît même la nuit, même à minuit le soir, ou à n'importe quelle heure du matin, du très tôt le matin, dans la nuit, c'est le jour de leur anniversaire, même si c'est la nuit, c'est le jour de leur anniversaire. On ne dit jamais que c'est la nuit de son anniversaire. On dit que c'est le jour de son anniversaire. Alors, pourquoi c'est le seul festival
comme on et comme mémoré par la nuit. Pourquoi on parle de Shiva et de Ratri? Et en même temps, on dit aussi Shiv Jayanti, et Jayanti, ça veut dire naissance. Donc, c'est quand la lumière entre dans le corps, c'est la naissance, c'est Jayanti. Pourquoi Shiva Jayanti, la venue de Shiva, la naissance de Shiva, et Ratri, la nuit? Le mot Jayanti n'est pas traditionnellement utilisé en hindi. C'est Shivratri qu'on utilise. Mais c'est la première fois que je l'ai entendu chez les Brahma Kumaris. Parce que si on utilise Jayanti, on devra répondre à la question, celui qui est au-delà de la naissance, comment prend-il naissance, parce qu'il est reconnu comme étant ne pas prendre naissance. Donc, on a ce paradoxe et on a cette signification que oui, Shiva, le bienfaiteur, le bienveillant, le père de toutes les âmes, de toutes les âmes humaines, c'est le père de l'humanité, pas dans le sens qu'il nous a créés, père dans le sens qu'il peut nous restaurer, qui sont dépourvus de l'amour, la paix, la puissance. C'est aussi le père qui nous enlève la peine. Le père aussi, celui qui vient dans notre vie, va faire en sorte que nous sommes emplis. On sera riche, content, contenté, satisfait. Et on aura aussi ce sentiment d'appartenance. Donc, il est le père de toutes les âmes. Donc, comme il vient sur la terre, ou qu'il vienne sur la terre ou pas, et si on se souvient et qu'on célèbre ce festival, ce n'est pas possible qu'il n'a rien fait. On ne peut pas célébrer la fête de quelqu'un qui n'a rien fait. On ne fera jamais la louange ou féliciter ou invoquer quelqu'un qui n'a rien fait ou quelqu'un, on ne se souviendra jamais de quelqu'un qui n'a rien fait ou qu'on a vu rien faire ou que personne n'a vu faire. Il doit avoir fait quelque chose dans le passé que dans le monde entier et dans une forme ou une autre que cette image de la lumière où l'image de la lumière a une signification dans toutes les religions importantes. Comme Mahashivratri est célébrée par certains hindous, mais l'image de Shiva Lingam, l'image de la lumière, cette pierre ovale, on la voit. On la voit avant Mohammed. Toutes les déités ont été enlevées, mais cette pierre a toujours cette pierre ovale qui a été donnée par Abraham, par Dieu lui-même. Cette pierre est gardé comme étant une image. Les Japonais aussi, durant la méditation, n'avaient pas d'idole non plus, mais ils ont une petite roche. Parfois, ils la tenaient dans leurs mains. Ils ne disent pas que c'est Shiva, c'est Dieu, Chinkon Sake, qui est aussi un souvenir de l'image. De la même manière, dans le bouddhisme aussi, il ne parle pas de Dieu. Il ne parle jamais de Dieu, mais il médite, il parle à quelque chose, il pense à une forme toute puissante en tant qu'une petite pierre aussi. Gunanak,
Il y a beaucoup de révérence. Celui, le seul, dans la forme corporelle. Alors, pour Guru Nanak, c'est le vrai nom, le Sadguru. Donc, dans presque toutes les religions, tous les profils religieux, il y a ce père religieux qui ont louangé. Donc, est-ce possible qu'il n'a rien fait, qu'on le louange comme ça, sans qu'on ne reconnaisse rien? Non, ce n'est pas possible comme ça. Il a certainement une relation avec nous. Pas seulement en étant en haut, au-delà, mais c'est qu'il vient, il vient dans nos vies. Il ne participe pas dans les affaires humaines en restant au-delà, comme nous pensions auparavant, que quand les humains font quelque chose de mal et quand c'est terminé, il apparaît, il donne des directives, il éveille les corps qui sont morts et dit, toi tu vas là, toi tu vas au paradis et toi tu vas en enfer. Pourquoi on pense ça? Comment peut-on comprendre cela? Donc, les expressions qui ont été utilisées pour décrire les activités de Dieu ont été comprises comme des mots physiques sans comprendre. Mais il doit certainement y avoir un message derrière cela qui est non physique, qui est métaphysique, qui est lié à la réalité de l'invisible, du monde métaphysique, parce que sinon, on aurait certainement compris le bénéfice de tout ce qui se passe dans ce mémorial et tous ces événements qui sont liés à Dieu. Mais encore la même chose, dit Santosh. J'ai compris, grâce à ces explications des Brahma Kumaris, que Dieu... La venue de Dieu, c'est la venue de Dieu est honorée et c'est Mahashivratri. Et c'est reconnu comme étant la naissance divine. Pas comme nous, pas notre façon humaine de prendre naissance. Nous entrons dans le ventre de la mère et c'est notre façon pour les humains, les animaux. Il y a une naissance à travers la mère. Mais quand l'âme suprême vient pour faire ses gestes, ses actions, les gestes doivent être faits à travers un corps seulement, et le corps qui a cinq sens, le corps humain. Donc, il ne peut entrer la mère, le corps d'une mère, il est autorité toute puissante, il est le père des pères et c'est pour cela qu'il prend une naissance divine et il entre dans un corps ordinaire. Comme quand on a besoin de se rendre quelque part à New York, on n'a pas de voiture, mais on sait que la voiture de quelqu'un, est-ce que je peux, moi, prendre un brin de conduite avec toi. Et de la même manière, la venue de Dieu c'est un événement très important dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Oh, la venue des prophètes, c'est important, mais cela a sa propre signification. Les dernières 2500 ans, on a eu 4 ou 5 des prophètes religieux. Leur rôle était déjà joué. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Même après cela,
nous avons ralenti, l'humanité s'est dégradée. Même après cela, on n'a pas vu que la peine n'était pas enlevée. On voyait encore, on voit encore la nuit de l'humanité, des comportements négatifs, des souhaits négatifs et des intentions de jalousie et de haine très profondes, jusqu'à à un tel point qu'on a fait des armes et des bombes pour en finir avec l'humanité. Et tout cela se passe après. On a eu beaucoup d'écritures spirituelles. On a toutes les versions des prophètes. Et encore là, même après cela, les affaires humaines sont encore en train de se dégrader. Et n'est-ce pas que ça nous montre que durant cette période la plus sombre, seulement Shiva, l'âme suprême, le Père suprême, a le pouvoir de faire changer, de faire tourner le paquebot, de faire une transformation dans la conscience des êtres humains, dans l'humanité. Beaucoup est entrepris dans cette transformation au niveau physique, donc pour donner à l'humanité de plus en plus de technologies, des objets, tout ce que l'humanité a besoin, et de la nourriture, des vêtements, mais rien n'est fait de façon significative au niveau de la conscience. Mais ne sommes-nous pas d'accord? Telle est la conscience, telle est notre vision, notre perception, nos pensées et aussi nos actions. Quand on pense, la façon dont on pense, on pourra accomplir les gestes. Et quand on accomplit, on va voir des résultats. Mais si les résultats sont horribles, négatifs, et certainement qu'il y a un problème au niveau de la conscience, des attitudes profondément négatives et profondément enracinées et qui ne peuvent pas être enseignées, ne peuvent pas être transformées à travers les enseignements. Or, beaucoup connaissent le sanskrit, beaucoup font le chanting, ce qui est dans les écritures saintes, mais dans l'humanité encore, et dans un niveau de noirceur, d'obscurité. Et on peut le faire, 8 milliards de personnes pendant 24 heures, leurs pensées, les pourcentages de leurs pensées dans une seule journée. Il y a des gens qui ont fait des recherches là-dessus. 32 à 33 000 pensées pendant les 24 heures. Quel est le pourcentage des pensées négatives, des pensées positives? Les pensées positives, il n'y en a presque pas. Et les pensées négatives, il y a un grand pourcentage. Donc, cela symbolise la nuit de l'humanité. Seul Shiva peut faire cela. Et quand on célèbre Shivratri, c'est qu'il l'a déjà fait. Encore quelque chose a dû se passer parce qu'on a perdu les bénéfices et qu'on est encore dans la même situation et qu'encore on a besoin de son aide. Ça veut dire que la forme des affaires humaines se passe dans un cycle selon notre niveau de conscience. Quand les âmes sont
stabilisés dans leur déité, comme l'âme suprême, l'histoire humaine, au tout départ, sont purs dans notre forme divine, purs dans notre nature éternelle de déité. On est complètement purs. Et même en pensant à Shiva, nous amène à cette conscience que si l'âme suprême est l'océan de pureté, l'océan de dignité, on a dû être comme cela au tout début, originellement. Et ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes devenus plus tard. Donc, cette période de l'humanité, quand nous étions originellement divins, c'était l'âge d'or, mais cette période-ci, quand la plupart, peut-être 99% des âmes sont dans cet état négatif, des émotions négatives, ceci est l'âge de fer. Et quand toutes les fondateurs de religion viennent, le changement, le passé du négatif au positif, c'est-à-dire son geste doit être une signification très, très importante. Donc, Shiva, ce n'est pas que Shiva a vu, cela, c'est ce que Shiva est. Dieu est ici. Dieu est ici, maintenant, mais seulement quand nous savons où il est, comment je peux me rapprocher de lui, il peut y avoir cette rencontre spirituelle et cette célébration. Et l'idée de lui donner notre gratitude, ça va fonctionner si on le connaît, si on sait où il est. Mais nous avons célébré cette fête. Ma présente connexion avec lui, parce que souvent on pense au passé, mais dans Shivratri, il y a certains rituels précis. Il y a deux ou trois rituels qui nous aident encore une fois à la réalisation que, en fait, une conversation de purifier notre vie sur la terre, de purifier l'âme. Par exemple, cette signification de faire un jeûne ce jour-là. Ce jour-là, on fait un jeûne toute la journée et toute la nuit, on reste élevé parce qu'il y a aussi une histoire derrière cela. Bien sûr, c'est une vieille, ancienne histoire, mais ce n'est pas la base, l'unique base. Voici l'histoire. Alors, c'est un chasseur qui cherchait des animaux dans la jungle. Il était à la veille de deux daims qui étaient là, qui se promenaient. Mais quand il a été prêt à les tuer, les daims ont commencé à lui parler et ont dit au chasseur, ne nous tue pas maintenant parce que nous avons des enfants. Et si on meurt, ils auront de la peine. Alors, laissons aller leur dire au revoir, dire à notre famille et leur expliquer ce qui va se passer. Et ensuite, tu pourras nous tuer. Alors, dès le début, on peut comprendre que cette histoire ne peut pas exister. Il doit y avoir une signification. Comment est-ce que les chevreuils parlent aux chasseurs? Donc, le chasseur permet aux
aux chevreuils de s'en aller à la maison. Il les laisse toute la nuit, toute la nuit. Il était dans un arbre. Elle cherche le nom. C'est une plante. C'est une plante et un arbre, mais c'est un arbre de poison. Et c'est dangereux. Les feuilles sont poison. Et on utilise cela parce que ce chasseur a été s'asseoir dans cet arbre et toute la nuit, il envoyait ses... Alors, il y avait un Shiva Lingam, mais il ne savait pas et il lançait ses... Il n'a jamais su qu'il y avait quelque chose qui allait se passer sous l'arbre. Il ne savait pas non plus que c'était Mahashivratri. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il lançait des... Pour passer le temps, il attendait les chevreuils et il lançait ses feuilles et c'était des feuilles empoisonnées. Toute la journée, la nuit, il fait ça. Et toute la nuit, et finalement, avec les chevreuils, ils sont revenus dans leur famille. Ils ont expliqué à la famille que nous ne reviendrons plus. Alors, c'est la dernière fois qu'on vous voit, qu'on se voit. Et les autres ont dit, alors, tous les membres de la famille ont dit, restez ici, nous sommes vieux. Le chasseur pourra nous tuer et il sera content et tu pourras rester. Il y a eu des voisins qui sont venus, ils ont dit non, vous avez fait beaucoup pour nous, pour notre communauté, nous allons y aller, tu n'as pas besoin d'y aller. Alors, tout le troupeau se sont rencontrés et ils sont tous revenus en dessous de cet arbre où le chasseur était. Tout le monde disait, ne tuez pas des autres, tuez-nous. Donc, l'histoire, Shiva était très content de voir ce sacrifice. Et Shiva aussi était content aussi parce que le chasseur offrait ses feuilles ensemble. Et ces deux choses sont devenues la base du système, du rituel de Shivratri qui est créé autour. Depuis ce temps-là, toutes les nuits, tous les soirs, à chaque année, durant Shivratri, à chaque année, les gens font, ils ne dorment pas, ils font du jagran, donc ils font du chanting, ils donnent ces feuilles au Shivalingam. Alors, ce sont les deux rituels qu'on fait. Et avec le temps, c'est passé d'une génération à l'autre. Mais le message caché dans tout cela était le suivant. C'est comme Dieu l'explique lui-même quand il vient sur la terre. Alors, Dieu vient sur la terre et c'est ce qui fait que ça change dans ça éveille notre conscience parce qu'on comprend et ce qu'il explique est la suivante. En oubliant le soi, en oubliant l'âme, vous n'êtes pas des corps, vous êtes des êtres vivants. Vous n'êtes pas le je. Le corps, mais qui suis-je? Le corps est je, mais je suis le maître de ce corps et je suis ce point de lumière, cette étoile au centre du front. Et nous sommes tous comme cela, chacun des êtres humains. Peu importe la religion, nous sommes des âmes dans le corps. Et toutes ces âmes, maintenant, on a perdu notre beauté, notre pureté, le fait d'être sacré, et on a une vie vicieuse. Peu importe la religion, l'atmosphère de l'âme est polluée. Et a besoin de nettoyer cette âme.
nettoyer l'atmosphère. Et c'est ce qui est nécessaire d'être enlevé. Et au lieu de cela, nous offrons simplement des feuilles d'une certaine plante au dieu Shiva ou au Shiva Lingam. Il voulait avoir notre négativité, nos faiblesses. Mes beaux enfants, n'êtes-vous pas fatigués de cette peine et de cette souffrance qui vient de vos attitudes vicieuses? Vous devez nettoyer cela et c'est cela qui lui fait plaisir. Et parce que c'est très simple à comprendre, et la belle chanson que vous avez jouée au tout début, celui qui finit tout, qui met fin à tous les problèmes. Man Ashutosh, il est celui qui devient heureux, que vous pouvez contenter très facilement parce que son esprit le dit sincèrement ou pas. Non, vous donnez sa dévotion et il est content. Ashutosh, il est heureux. Donc, celui qu'on évoque, on peut facilement le rendre heureux. Pourquoi au temps de Mahashivratri, nous avons célébré autant de feuilles que nous avons offertes, des sacrifices que nous avons faits, mais il n'est pas encore heureux. Et les troubles, les problèmes, les inquiétudes ne sont pas enlevées dans notre esprit. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui manque? On s'inquiète. Juste les inquiétudes. Répéter des rituels et oublier le véritable sacrifice, la véritable offrande. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas lui plaire. C'est pour cela qu'on n'a pas, cette peine n'est pas sortie de notre vie. Non seulement cela, mais ce jour très spécial, il y a aussi la tradition et le rituel de boire. Et de boire ce bhang qui est fait de chanvre, de la plante du chanvre. Pensez-y. Ils boivent cette boisson et ensuite ils perdent la tête. Alors, comment est-ce que ça peut être lié à celui qui est l'océan de pureté? Encore une fois, il nous manque le chemin spirituel. On a commencé à intoxiquer le corps. Mais ce n'est pas vraiment le corps qui est dans la peine, c'est l'esprit qui est. Comment est-ce qu'on intoxique le corps? On doit être en équilibre. Tout fonctionne bien si le corps est physiquement, si le corps est libre de tout ce genre de breuvage. Sinon, on sera toujours dans l'état d'ébriété. Donc, l'intoxication, on doit se souvenir de notre forme originelle, éternelle, naturelle, de perfection, que nous étions des déités. Pas simplement ce corps de main, narine ou narad. Mais Narayan veut dire l'homme parfait, la femme parfaite, Lakshmi. Donc, je n'ai jamais été comme ça, je suis devenue comme ça. J'étais pure, j'étais la déité pure, l'enfant de Dieu.
Comment, quand on voit des milliers d'entre nous si agressifs, si négatifs, comment pouvons-nous avoir cette ivresse? Donc, cela veut dire que c'est quelque chose qui avait besoin d'effort. Ça veut dire que c'est quelque chose, on doit être, avoir un engagement à être attentif parce que seul le Créateur est parfait. Et si on ne garde pas l'œil sur le Créateur, on ne peut pas être dans l'ivresse. Donc, voilà le message. Regardez, regardez l'unique, Shiva, le point de lumière, mon Père. Il est parfait parce qu'on regarde ici, à gauche, à droite, on a l'ivresse s'en va. Oh, ma mère était comme ceci. Ma mère était toujours en colère. Mon père n'aimait pas ces gens. Alors, tous ces mères et ces pères, en les regardant, je n'ai aucune ivresse en les regardant. Et cela s'appelle ce souvenir constant qui est dans la célébration de Shivratri, en mettant en instillant goutte à goutte. Ce n'est pas simplement de mettre une douche d'eau sur le Shivalinga, mais d'instiller goutte à goutte, une pensée à la fois. C'est la conscience devient avec gratitude. Ce n'est pas une façon humble. Pardonne-nous, je vais aller bien. On doit penser avec notre cœur, et au lieu de cela, ils ont commencé à prendre ce breuvage qui les intoxiquait finalement. Donc, la véritable célébration a disparu parce que le mot manana, c'est célébration. Alors, célébrer un festival. Utsav, festival. Quand on célèbre, c'est qu'on est dans le zèle et l'enthousiasme. Mais si le zèle et l'enthousiasme, et s'il y a du zèle et d'enthousiasme dans un moment très précis, parce que comme nous sommes les enfants de l'autorité toute-puissante, on devrait toujours être dans les célébrations perpétuelles, illimitées. Donc, Mahashivratri, ce n'est pas seulement une journée, c'est tout ce temps. Dans la Bhagavad Gita, on se rappelle de Mahashivratri comme étant tout, quand il y a des vices dans l'esprit et dans la vie, c'est la période la plus noire de l'histoire humaine. Donc, c'est ce moment. Ce n'est pas un jour, c'est toute l'humanité qui est dans la noirceur, Mahashivratri. Donc, je dois jeûner et je ne dois pas utiliser la colère. Je ne dois pas être perdu dans les sens physiques parce que utiliser, ces vices, c'est devenir de plus en plus faible parce que la conscience, c'est le courant dans ce corps, existe. Et plus j'oublie, et plus je suis dans le bonheur physique, les plaisirs physiques, et je dois donc jeûner de ce genre de plaisirs physiques. Et si je m'abstiens de tout cela, de tous ces plaisirs, qu'est-ce que je dois faire? Ça, je ne dois pas le faire, mais qu'est-ce que je dois faire?
je dois demeurer en parlant, en pensant, en écoutant. Est-ce que je partage mon amour, ma paix, ma puissance, ou est-ce que j'essaie d'absorber? Celui-ci doit me respecter, soit celui-là doit me servir de cette manière. L'eau, les ressources, on exploite tout cela. Même nous-mêmes, notre égoïsme et l'état du monde est ainsi. Donc, on doit jeûner de tout cela dans un premier temps. Nous avons tout ce qu'il nous faut maintenant. La terre est fatiguée, les éléments sont fatigués, ils pleurent. Ça veut dire des séismes. C'est la plainte et la complainte des cinq éléments. Ils ne peuvent pas nous écrire des lettres. Un tsunami, c'est la lettre de l'eau à l'autorité toute-puissante. Voyez ce que tes enfants font, ce n'est pas une blague. Mais si on est perdu dans ces plaisirs, dans ces indulgences, on ne les voit pas comme étant connectés à nous. Donc, il dit, éveillez-vous, ouvrez les yeux, parce que vous voyez le tsunami, vous dites, ça va encore bien. S'il est en Indonésie ou en Turquie, le séisme, c'est pas ici, c'est ou la guerre en Ukraine, c'est pas ici, on est correct, ça va. Oh. C'est comme cinq, six continents, c'est cinq, six chambres. Et s'il y a un feu dans une pièce de la maison, ce n'est que le temps qui va dire que dans quelques jours, ça sera dans une autre pièce. Et de toute façon, tout peut arriver en quelques jours. Donc, c'est ce sommeil, cet état léthargique de notre intellect qui n'analyse pas la réalité actuelle. Et nous sommes à la fin de cette civilisation dans laquelle on pensait nous sommes des personnes civilisées, nous sommes des personnes, on est très avancés scientifiquement. Mais voyons ce que nous faisons avec ce monde à cause de cette façon de vivre. C'est bon d'être scientifique, d'être développé, mais en même temps, il y a une grande infection liée à la négativité. Jeûner, sachez que vous devez jeûner, ne plus prendre de négativité pour que le Père puisse rendre l'humanité, aider. Le Père aide l'humanité à jeûner. Parfois, on voit les autres qui ont seulement. Dieu est complètement pur. Donc, on peut voir les autres qui sont en train de jeûner de colère, mais en soi, on peut avoir d'avidité. Alors, quand ils nous regardent, parfois, ils viennent sur la terre. Ils utilisent un corps ordinaire pour nous parler. Ils nous donnent cette personnalité, Mama, et à travers la bouche de Brahma, il donne ses vérités. Il nous donne à nous les enfants, 12 enfants. Même si on est devenu amer, il ne reconnaît pas l'amertume. Il ne voit pas, il ne sent pas cette amertume. Il regarde à tout. Il regarde avec ses yeux rayons X, avec sa vision laser. Il voit à travers toute cette impureté, il voit notre nature pure. Il dit 12 enfants.
Maintenant, jeûnez. Jusqu'à temps que votre vie devienne meilleure. Je ne vois pas l'heure, il est 11 heures. Il y a quelques heures de différence. Donc, la véritable célébration n'est pas seulement de garder physiquement engagé d'un temple à un autre ou de montrer notre révérence ou de faire. Il est en vérité, dans la réalité, il est disponible et on peut se souvenir de lui. Donc, je dois établir ma connexion avec lui en tant que père et avoir ce jeûne des négativités, un jeûne complet de ses plaisirs des sens, parce que ce sont des doses de poison pour l'âme qu'on ne savait pas parce qu'on disait que c'est de l'amour. Non, non, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la luxure. Ceci est du poison. Il faut jeûner. On ne doit pas manger cela. Donc, on donnait à l'âme des doses régulières de colère, de luxure, d'avidité. Je suis l'océan d'amour. Et les autres sont vos frères. Ayez cet amour pour vos frères, pour l'humanité. Donc, on doit se libérer de tous ces liens et qui sont dans toutes les différentes, toutes les fausses identités et les religions. Parce que toutes les religions, le but, c'était d'être avec Dieu. Donc, on doit être avec lui. Il n'est pas au passé, il est là, il est présent, très présent au présent, et on veut être avec lui. Donc, de quelle manière, pourquoi a-t-on besoin de fausses identités? Et c'est ce que j'ai compris quand j'ai été en 1983, peut-être même un peu avant, j'ai compris comment j'étais fortunée parce que je peux cultiver mon amour et garder mon esprit libre de ces activités et garder cette pensée déterminée. Oh, je ne veux plus goûter à cette nourriture de poison. Donc, toute la vie, c'est de célébrer la fête de Baba, de notre Père, tous les jours. Je pense que c'est ce que je devais partager avec vous en cette occasion. Merci beaucoup, Didi. On va prendre quelques questions. Une première question, probablement les étrangers, les trois lignes sur le Shivalingam. C'est une bonne question. Si on va dans le détail de tous les symboles, il y a la signification, bien sûr, mais comme j'ai dit, c'est tout simplement un mémorial de Shiv. Parce que si j'y pense, si je veux exprimer, je ne peux pas faire la forme originelle de Dieu, c'est un point dans incorporel. Donc, quand il vient sur la terre dans un corps ordinaire et qu'il nous révèle cette conscience, la nature originelle des âmes, ce que l'on était dans le passé et comment étaient les affaires humaines au début de l'humanité, de l'histoire. Et ce qui s'est passé quand on a changé. Alors, quand on a fait le cycle humain et a changé de sens,
C'est à ce moment-là qu'il a commencé à tomber. Et quel est le temps maintenant? D'une certaine manière, le temps, c'est beaucoup de peine, mais si en même temps, c'est en le même temps de la possibilité de l'éveil de l'âme. Parce que toute l'humanité expérimente la même chose, les mêmes émotions en ce moment. Tous veulent la libération. Tous veulent être libérés. Donc, les trois lignes veulent dire la connaissance des trois aspects du temps révélés par le Père. Le présent, le passé et le futur. Peut-être qu'on pourrait avoir un autre épisode. Navratri, on n'a jamais parlé de Navratri. Peut-être qu'on pourrait en parler à ce moment-là. Navratri est célébré deux fois. En mars, il y a un autre festival, Yaratri, aussi encore la noirceur. Pourquoi neuf? Peut-être une dernière question. Pourquoi neuf? Shivratri est passé à Navratri. C'est aussi lié à Mahashivratri. Ce n'est qu'après que l'âme a compris la réalité de qui elle est. L'âme a compris qui est mon père, à qui est-ce que j'appartiens. Quand l'âme a compris sa nature originelle, c'est grâce à sa connexion avec l'âme suprême, la civilisation de sa nature originelle est possible. La paix, l'amour, la félicité, la pureté, la connaissance. Et plus je peux être stabilisée dans tout cela, plus je me reconnais comme une âme, que je suis une âme puissante. Donc, le pouvoir spirituel, c'est d'être dans notre nature stable. Et ce n'est pas possible à moins de connecter notre intellect avec le Père. Si je vois des âmes humaines, si je vois des êtres humains, je ne peux retrouver ma beauté. Ce n'est que quand je le vois, que je peux focaliser. Et cela s'appelle devenir une Shakti. Alors, si Dieu ne peut pas venir sur la terre, s'il ne vient pas sur la terre, l'âme ne peut pas retrouver son pouvoir. Donc, il y a les Shaktis, c'est le pouvoir. Donc, il y a 8 pouvoirs dans les anciennes écritures que l'on peut utiliser dans différentes situations dans notre vie. Et cela revient tous au souvenir. Donc, inculquer chacun de ces pouvoirs et de les exprimer dans notre vie pratique, c'est la façon simple. Mais sur le chemin de la spiritualité et sur le chemin de la dévotion, par exemple, chaque pouvoir a été identifiés comme 9 femmes. Et ce sont encore une fois des mémoriaux qui viennent du Shiva Tout-Puissant. Et si on va dans le pouvoir, la profondeur de chaque pouvoir, c'est impossible de les avoir si on ne connaît pas Shiva. Si on ne connecte pas avec lui, on ne peut pas avoir ses pouvoirs. Et c'est pour cela que ça s'appelle Shiv Shakti. Shiv, c'est les Shaktis qui suivent Shiva. C'est pas un titre religieux ou c'est pas seulement. Ça veut dire que chacun des êtres humains sur la terre est Shiv Shakti, a le pouvoir de Dieu. Et l'enfant de Dieu, il a oublié. Et si on ne le retrouve pas, on regarde à gauche, à droite les autres êtres humains et on essaie de remplacer le pouvoir spirituel par des armes, par des bombes. On veut montrer notre pouvoir. C'est le pouvoir des armes, le pouvoir physique.
Mais le pouvoir du yoga, c'est le pouvoir de l'âme qui est le plus important pour qu'on ne peut être, avoir peur de qui que ce soit. Même si on a beaucoup d'armes, on peut avoir encore peur. Et dans ce pouvoir spirituel, on est en sécurité. On se sent en sécurité. Merci beaucoup. Merci à Ashok Mehta. Va vous remercier, Santosh Om Shanti. C'est tellement un plaisir d'écouter Santosh Bhatt et de nous expliquer d'une si belle façon la signification de tout ce qui est lié avec Shiv Jayanti et la signification spirituelle. Et nous sommes très fortunés d'être les enfants de Baba, de Shiva, et on porte avec nous toutes ces qualités, tous ces pouvoirs et toutes les expériences et toutes les vertus dont tu nous as parlé aussi. C'était une très belle explication, très riche. Et ça nous a permis d'aller très, d'être en profondeur. Et on est heureux de savoir que tu es à Gyan Sarovar, Montabou. Je vais venir pour la célébration de Daddy. Tu nous manques. Ces jours-ci, on peut se voir. Mais jusqu'à maintenant, tu étais à Mumbai. Elle a eu des infections. On préfère être à Montabou, mais en ce moment, ils sont à Mumbai parce que son épouse est un peu malade. Est-ce que tu veux un drishti ou une méditation? Ce mot, méditation, signifie que grâce à mon œil de la compréhension, je peux voir mon Père bienfaiteur incorporel que j'ai oublié et que, pour lequel j'ai perdu la connexion. Mais maintenant, je sais, je comprends que je suis une âme, l'enfant de l'âme suprême. Et chaque être humain sur la terre est la lumière consciente qui a incarné les cinq éléments qui viennent de la maison de la lumière, de la douce demeure. Qui est la douce demeure de mon Père, le Père de tous, l'âme suprême, le Père suprême. La pensée de cette maison au-delà des frontières. Toute cette confusion qu'il y a sur la terre, cette maison, cette demeure au-delà, mes pensées me gardent dans ce silence et ce bonheur. Je me sens entourée des rayons. Des rayons d'amour de mon Père. Oui, je suis Shakti, l'enfant de Dieu. Je suis lumière, immortelle,
Et cette conscience, grâce à cette conscience, je prends mes responsabilités. Garder mon Père bienveillant, bienfaiteur, je garde son amour dans mon cœur. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Om Shanti. Great, very beautiful gathering. Thank you all inviting me. Yeah.